Avec la CHAC, on est particulièrement, donc depuis très très longtemps, mobilisé sur la question de mémoire et notamment des expressions culturelles et artistiques. Donc pour Tacti Collectif, c'est un enjeu très important parce que il s'agit vraiment d'inscrire aussi la question patrimoniale aujourd'hui après peut-être deux ou trois décennies de travail où c'est surtout le mot mémoire qui a été employé. Donc la question du patrimoine pour inscrire réellement dans le récit national la présence de la diversité française, des immigrations et des outre-mer. Donc voilà, cette question-là des expressions artistiques et culturelles nous semble un des meilleurs exemples, une des meilleures illustrations de la réalité de la diversité française, quoi. La mémoire, c'est le travail de mémoire, c'est un travail qui consiste à révéler des récits, à révéler, à dire la nature des enjeux contemporains dans un regard plus long, mais aussi à singulariser des histoires particulières, donc à les mettre en valeur et à les donner à voir. Peut-être que le patrimoine, c'est l'inscription dans un récit commun. Et c'est une notion importante parce qu'en France, le patrimoine, c'est la politique culturelle par excellence. Donc en fait, dire sa place dans le patrimoine, c'est dire sa place dans le récit national, c'est dire sa place dans le pays de manière, j'ai envie de dire, définitive, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est inéluctable, quoi. Si on fait patrimoine, on a une légitimité et une reconnaissance au regard d'un enjeu qui est un enjeu qui est un enjeu politique, quoi, finalement. Nous, en tant qu'acteurs Tacti Collectif ou la CHAC, évidemment, on est largement convaincus de ce qu'on fait. Simplement, on a un enjeu aujourd'hui qui est de faire en sorte que les politiques publiques, les institutions patrimoniales et culturelles se mobilisent encore plus. Il y a déjà des ouvertures, il y a déjà des projets intéressants, mais peut-être que au-delà de quelques échappées belles avec des beaux projets dans tel ou tel endroit, ça devienne naturel que dans les institutions culturelles, patrimoniales, les services d'archives, les musées, les grands théâtres nationaux, les scènes nationales, on est de manière naturelle cette prise en compte de ces apports-là, de ces apports des immigrations et des outre-mer. Donc aujourd'hui, voilà, l'importance pour nous, il est là, c'est-à-dire bon, c'est un travail au long cours de mobilisation de la puissance publique de manière pérenne sur ces questions-là.